President, please be seated. The chamber is now back in session. Reprise de l'audience. And good afternoon, Mr. Ayhuren. Witness. Hello, Mr. President and President. We now proceed again with your testimony. And the chamber will hand the floor to the co-prosecutor, then to the lead co-lawyer for civil parties to put questions to Mr. Ayhuren. You may proceed, deputy co-prosecutor. Vous avez la parole, Monsieur le co-procureur. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Je vais encore poser des questions I'm going environ to 35, be putting minutes. Questions to the witness for about another 35 or 40 minutes. And my colleague, Tisrina, will put Monsieur her questions during the last 20 minutes of today's hearing. Witness, I know that the day has been rather long et que vous êtes peut-être and fatigué, that you might be tired. Je vais vous demander so I'm going to ask you, please, concentré to pour aborder concentrate un dernier grand sujet so that we can discuss another cet major topic now. Which is du sort des Vietnamiens the fate of the Vietnamese habitant au Cambodge, who were living in Cambodia, et puis celui des Vietnamiens and ou des Khmer venus du Kampuchea Krom. Khmer people who came from Kampuchea Krom. Et je vais commencer and I'm going to start, par lire by un extrait de votre déclaration devant les juges d'instruction. C'est le document E319.1.32. Aux questions-réponses 33 et 34. Questions and answers 33 and 34. Question 33. Question 33. Y avait-il beaucoup de Khmer Krom? Were there many Khmer Krom? C'est-à-dire Khmer du Cambodge de Laval, situé dans le sud du Vietnam Cambodia, actuel, which is in the south of, current qui Vietnam, est vécu dans votre région entre 76 et 78. Savez-vous ce qui leur est arrivé? Do you know what happened to them? Vous avez répondu à la réponse 33, non, il n'y avait pas de Khmer Krom qui ait vécu dans la région. Il n'y avait que des Vietnamiens. Les Vietnamiens nés au Cambodge étaient accusés d'être Yuen. Les Vietnamiens qui sont venus du Kampuchea Krom, comme ma mère, such as my mother, du village de Trapping Trey, par exemple, ont tous été exécutés. Were all executed. Question 34, question 34 de l'enquêteur. From the investigator. Je pense que vous we et moi, nous sommes en train de parler des gens du Kampuchea Krom. Quels étaient les critères qui justifiaient une exécution? In order et vous avez to take répondu them to be killed. À la réponse 34. Les Vietnamiennes mariées à des Khmers devaient être exécutées. De même, les Khmers mariés à des Vietnamiennes, girls, des villages entiers de gens ont été exécutés. Fin de citation. Alors j'ai un certain nombre de questions à vous poser par rapport à ce que vous avez dit dans ces réponses-là. Et tout d'abord, and vous avez dit all, que les Vietnamiens nés au Cambodge étaient accusés d'être des Yuen sous le régime du Kampuchea démocratique. The DK regime. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi l'emploi du terme Yuen, the word Yuen serait péjoratif or why ou the méprisant word Yuen was disparaging ou insultant or insulting. For Jews who were born in Cambodia, qui était né au Cambodge, in Trapeang Thom Khang Thabong commune, and they were living in Trapeang Trey village, ceux qui vivaient dans le village de Trapeang Trey, and Jews live in another village. Which was adjacent, and there were a mixture of Vietnamese wives and Cambodian husbands, or par exemple, des Vietnamese husbands with Khmer wives,
ou vice versa. Yikom's plan was to take them to the forest. And Cam had a wife who was Vietnamese, and he was told not to go. But he insisted that he wanted to go and attend the study session. So went. He went with his wife to the forest, and that was the end of his fate. In fact, they were not sent to attend any study sessions, but were executed. Il n'a pas participé à une session d'instruction quelconque. Il a plutôt été exécuté. Je n'ai pas bien compris de quelle personne vous avez parlé. Est-ce que c'était quelqu'un que vous connaissiez ou quelqu'un de votre famille? You knew or someone in your family? I refer to the population in Trapeang Traprae village in Trapeang commune. Dans la commune de Trapeang. People who lived there were at least half blood Vietnamese or Jun, and Yekom had the plan to kill those Jun people in that entire village. Était ciblé par Yekom, qui avait pour projet donc de les éliminer du village. Est-ce qu'il y a eu également des arrestations de Vietnamiens habitant au Cambodge who are living in Cambodia, ou de Vietnamiens et de Khmer venus du Cambodia après que Com soit parti du district de Tram Kak en 1976? Est-ce que les arrestations et les exécutions ont continué après? Did arrests and executions continue after that? Yekom left in March 76 through Koh Kong province, and in June of that year of 76, there was a plan to purge all the Jews throughout the country. And I do not know from which level Tachai received that instruction. He convened a meeting and appointed Lon alias Moy to go and arrest Vietnamese living in District 105 and rounded them up. First, the instructions through the commune chiefs was to gather those Vietnamese and then they would be tracked out. Avant de les chasser. And 3 days later, a truck with a long trailer was sent to pick those Vietnamese up from the various communes, including Popel and Ong Ta Sam and Nhai Nhong. Même chose pour la commune de Nhai Nhong. So six communes sent the Vietnamese people away in the truck, as for the rest of the communes within the district had to do it by themselves. And the Vietnamese were taken away and killed in the forest. Et tués dans la forêt. Bien, je vais essayer de reprendre les choses de manière un peu chronologique. To order things in a chronological way a little bit now. Tout d'abord, est-ce qu'il y a First eu une période was there a period au départ at the start les Vietnamiens du Cambodge when the Vietnamese étaient from Cambodia échangés contre des Khmer people from Kampuchea Krom? Est-ce qu'il y a eu ces échanges? Did these exchanges take place? Yes, there was such an exchange program. Il y avait un programme d'échange. And in 1972, when the country was under the reign of Lon Nol, some people from Koh Hang Dai fled to live in Vietnam, and after the country was liberated, Tamok exchanged the Vietnamese living in Cambodia with those Khmer people. And some Jews actually had conflicts within the cooperative as they destroyed some knives or
cooking pots, etc. Then Tamok cancelled the exchange program. Et c'est alors que Tamok a décidé because when d'annuler we, ce after programme the exchange program, those people who came from Vietnam created the troubles within the cooperative. Pouvaient amener également des problèmes dans les coopératives. Est-ce qu'il y a aussi eu des Khmer Krom ou des Vietnamiens qui ont été ramenés du Vietnam lors d'incursions de l'armée du Kampuchea démocratique en territoire vietnamien? The DK forces went into Vietnamese territory. Bạn The exchange program was for the Cambodian people who fled the country in 1972. So after the country was liberated, Tamok made the arrangement for the exchange program for the Yuans living in Cambodia, for those Khmer who had fled to Vietnam earlier. D'accord. Fine. Vous avez dit alors dans votre réponse, à la réponse 62, votre procès-verbal d'audition E319.1.32, que ensuite ils ne faisaient plus d'échanges de Vietnamiens, mais qu'ils exécutaient ceux qui se trouvaient sur le territoire Khmer. Fin de citation. Pouvez-vous nous dire à partir de quand les échanges se sont arrêtés? As of when et donc, this exchange program ended, and therefore when executions started. Started from 1976, there was a plan of the exchange program for the Khmer living in Vietnam through the Yuans who lived in Cambodia. But later on, since it was difficult to control those Khmer who had lived in Vietnam and who were exchanged through Cambodia, the exchange program was cancelled. The Pol Pot regime kills the Yuans, and before that, the Lon Nol regime also kills the Yuans, as hundreds of thousands of Yuans were gathered and placed in Dai Pram school in the provincial town of Takao. Then the soldiers would gathered and surrounded the that school and fired and killed all those Yuans inside the school. Ils ont tous tués so the Lon Nol regime actually did more killing of the Yuans than the Pol Pot regime. Donc, fait exécuter bien plus de Yuan que ne l'a fait le régime de Pol Pot. Oui, nous allons nous limiter à ce qu'a fait le régime de Pol Pot, étant donné que c'est cela que nous examinons ici. J'ai une question de clarification à propos des gens de Khmer qui venaient du Kampuchea Krom, donc qui étaient installés au Kampuchea Krom depuis longtemps, qui parlaient peut-être Khmer à la maison. Selon les Khmer Rouges, est-ce que ces gens-là étaient-ils considérés comme des Cambodgiens à part entière ou bien étaient-ils assimilés à des Vietnamiens? For Kampuchea Krom people, none of them came to live in Takao, in particular in District 105. There were only those Vietnamese people who were born and lived in Cambodia. Il
Bien, nous allons examiner plus tard quelques documents à ce propos-là. Vous avez donc dit à la réponse 34, que j'ai cité tout à l'heure, que les Vietnamiennes mariées à des Khmer devaient être exécutées et que c'était la même chose pour les Khmer mariés à des Vietnamiennes. Les enfants d'un couple mixte dont les parents étaient Vietnamiens d'un côté, Cambodgiens de l'autre, est-ce que ces enfants devaient subir le même sort que leurs parents et être exécutés? Parents, and were these children therefore executed? That was normal that sometimes Vietnamese husbands are meant to marry Cambodian husbands and vice versa. But then the due to the change in the circumstance and the regime, then they have been crushed by the wheel of history. And the Vietnamese then have been executed since the Lon Nol regime and then the Pol Pot regime. Depuis le régime de Lon Nol, et cela s'est poursuivi sous le régime de Pol Pot. Ma question était spécifiquement concernant les enfants de ces couples mixtes. Est-ce que eux aussi devaient subir le même sort que leurs parents? Were these children faced with the same fate as their parents or not? I don't get it, and I don't understand your question. Je ne comprends pas votre question. Je vais essayer de simplifier ma question. I will try to simplify my question then. Prenons un cas très simple. Let's take a very simple case. Le père est vietnamien. Imagine the father is Vietnamese, né au Cambodge. Born in Cambodia. La mère est cambodgienne. But and the mother is Cambodian. Ils ont quatre enfants. They have four children. Vous avez dit que les Vietnamiennes mariées à des Khmer devaient être exécutées et que les Khmer mariées à des Vietnamiennes l'étaient aussi. Les quatre enfants de ce couple, qu'est-ce que l'Ankar en faisait? Est-ce que l'Ankar les exécutait ou bien les plaçait ailleurs? Survived. The entire aucun family members were executed, tous les membres de la famille, including the children or the unborn child. Ou les enfants à venir. Pouvez-vous me dire pourquoi ou comment les Khmer Rouges justifiaient-ils cela, alors que, après tout, ce n'étaient que des enfants? We're only speaking about children here. I didn't know the reason behind that, the rationale behind that. Je ne connaissais pas les motifs de cela. Bien, vous avez parlé du fait que c'était à partir de 1976 qu'on allait procéder à un nettoyage qui tendait à supprimer toute présence vietnamienne dans le district de Tram Cac. C'est la réponse 36 de votre procès-verbal E319.1.32. Est-ce que cela s'est poursuivi durant l'année 77? No, it did not continue until 1977. Cela ne s'est pas poursuivi en 1977.
Because by that time, there was a new district head and people were not mistreated. At that time, Yi Bun and Gu Uje were there and there was no more killing. De Yu Bun, Yi Bun. As the many people had been killed already. Beaucoup de personnes avaient déjà été exécutées. Très bien, je me permets de vous rappeler que Yi Bun a déclaré avoir été nommé chef de district adjoint en octobre 1978 et pas en 1977. Concernant cette date, peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, je voudrais citer un procès-verbal d'audition de quelqu'un qui a témoigné ici. C'est la personne qui s'appelle Ching Srey Mom. Ching Srey Mom. Ching, C-H-E-A-N-G. Le procès-verbal d'audition est le E3-58-32. Alors, ce témoin était basé dans la commune de Ningyang durant la période du Kampuchea démocratique. Et elle a déclaré ce qui suit à la réponse 14 de son procès-verbal d'audition. Voilà ce qu'elle dit. Je cite, « Vers la fin de l'année 1976, le chef de la commune a déclaré qu'on allait renvoyer les Vietnamiens dans leur pays. » Certains Khmer ont même menti et ont déclaré qu'ils étaient vietnamiens à cause de la difficulté de la situation générale. Ces gens-là ont tous été massacrés. Durant la première étape, au cours de l'année 1976, les Vietnamiens ont été certainement renvoyés à leur pays, mais dans la deuxième étape, ils ont tous été emmenés pour être exécutés. Fin de citation. End of quote. Est-ce que vous vous souvenez d'une annonce qui aurait été faite par le district aux différents chefs de commune vers la fin de l'année 1976 concernant les Vietnamiens, comme le dit le témoin Ching Srey Mom. As Ching Srey Nung speaks about. No, I did not know about that, but the content of that statement is correct. Mais because that's what actually happened in the area. C'est ce qui se passait en général dans cette in région. Fact, they were told that they would be sent to the district, on leur disait qu'ils seraient but envoyés instead au district, they were sent to the forest. Au lieu de cela, ils étaient envoyés dans la forêt. Tout à l'heure, vous avez fait état du... une politique nationale. Spoke about a national policy. Vous avez dit que c'était une décision nationale d'éradiquer, d'éliminer les Vietnamiens. D'où venaient ces ordres de nettoyer ou de supprimer toute présence vietnamienne? Est-ce que vous avez su exactement d'où cela venait? Était-ce du centre, en partie, de la zone sud-ouest, du secteur ou du district? I do not have a full understanding about that. I only know that the district receives the plan or the instructions from the province, and I didn't know whether the province received it from the center. Because we were at a lower level, so we knew only after the province. Nous ne pouvions savoir ce qui se passait que juste au niveau de la province. About the change of command on the relaying of the plans. Et voilà tout ce que je sais à propos de la chaîne de commandement pour ce qui est de transmettre les plans, les projets. Bien, je vais relire une partie de votre verbal d'audition E319.1.32 à la réponse 37, ainsi que la réponse 46. As well as 46. Vous avez fait une distinction, here you made a distinction entre les communes qui avaient le droit d'arrêter et d'exécuter les Vietnamiens elles-mêmes et d'autres communes où c'était le district qui en était chargé. Voilà ce que vous avez dit à la réponse 37.
Les communes de Kpor-Trabek, Trapintongchung, Samrong, Ku et de Nengnyang avaient une marge d'autonomie. Autrement dit, les chefs de ces communes avaient le pouvoir d'arrêter des Vietnamiens et de les exécuter eux-mêmes, sur ordre du district. Tha Chai exécutait les Vietnamiens sur ordre de la région. Réponse 46. Vous avez dit ceci. Il n'avait pas besoin de faire de biographie. Il savait très bien qui était vietnamien. Dans les communes que j'ai citées plus haut, c'était les chefs de communes qui arrêtaient et exécutaient les Vietnamiens de leurs propres mains. Dans d'autres communes, c'était l'Ankar elle-même qui faisait ce travail. Went there to arrest and take Vietnamese nationals away to be killed. End of quote. Vous avez dit qu'il n'était pas nécessaire d'établir de biographie car on savait bien qui était vietnamien. Because people knew very well who was Vietnamese. Mais est-ce qu'au sein de chaque commune y avait-il des listes, were there lists qui avaient été faites des Vietnamiens ou de personnes venues du Kampuchea Krom qui habitaient dans ces communes? Were living in these communes. We knew that they were Vietnamese because they spoke Vietnamese, and they would be the subject of arrest. And if they spoke Khmer, then they would not be arrested. And that happened in Kpok Trabek, in Trapeng Thongchung, Trapeng Thongchung, and a part of Ku commune, également dans la commune in de Ku, Samrong commune, dans and Nyanyong commune, as these communes were located near the base of the mountain, so the commune chiefs were tasked to carry out the plan by themselves. Mettre en œuvre les plans par eux-mêmes. And Takam did not obey the party's instruction, and he was sanctioned to do hard labor with the Takao. This is just an example. Mais je vous donne un exemple parmi d'autres. Donc, ce que vous suggérez, c'est que les Vietnamiens des communes que vous avez citées étaient exécutés au pied ou sur la montagne de Damre Romil. Est-ce que c'est correct? Phnom Damre Romil. Is that correct? No, that is not correct, because Phnom Damre Romil was very high. In fact, they killed at the base or at the foot of the mountain in the Prey Samlakon Khmer that I mentioned earlier. Dont j'ai déjà parlé. Concernant les Vietnamiens qui ne se trouvaient pas dans les communes qui jouissaient de cette autonomie de les exécuter, vous avez dit à la réponse 54 de votre procès-verbal d'audition E319.1.32 ce qui suit, et vous en avez également parlé tout à l'heure, vous avez dit ceci: Lorne, surnommé Moy, était un beau-frère cadet de Tamok. C'était lui qui arrêtait et exécutait des Vietnamiens. Lorne avait fait des arrestations dans les communes de Hang Ta Som, Popel, Lei Bo et de Sre Ronang. J'ignore le nombre de Vietnamiens vivant dans le district de Tram Kok, mais je connais leur démographie dans les quatre communes, parce que Lorne m'a dit qu'il a convoyé par véhicule 9000 familles de Vietnamiens habitant des quatre communes. Le régime de Lon Nol a exécuté des Vietnamiens. Seuls ont survécu ceux qui étaient à l'extérieur du district. Le régime Khmer Rouge les a pourchassés de nouveau.
quand vous parlez du fait que Lorne faisait des arrestations, les exécutait, est-ce qu'il était tout seul ou est-ce qu'il était aidé par des miliciens ou des gens du district ou des communes? And members of the district. Réponse. Le travail de Lorne consistait à transporter les chefs de district et faire des lettres aux chefs de commune et ceci rassembler des habitants pour les transporter à bord de véhicules au district, mais en réalité, ils ont été emmenés à la forêt au pied de la montagne. Vous avez dit que Lorne était le beau-frère cadet de Tamok. Est-ce que lorsqu'il convoyait ses Vietnamiens vers le lieu d'exécution, est-ce qu'il agissait sous les ordres de Tamok? Was he acting under Tamok's orders? Réponse, il n'a pas reçu les instructions de Tamok ou du secteur, mais de Tachai. Tachai a écrit à toutes les communes au village de réunir les Vietnamiens dans un endroit où les véhicules arrivaient pour les prendre, donc par exemple dans la commune de Liebo, de Popel, de Saeronong, de Nyang. Et Nyang c'était justement communes. Lorne s'occupait. These were indeed communes. Est-ce que Lorne s'occupait également de la commune de Cheng Thorn? Was Lorne ou bien ce n'était pas le cas? In charge of Cheng Thorn, or someone else was in charge of that commune? Réponse, Lorne faisait partie du bureau de district. Tachai l'était également. Donc, il était membre, donc il a affecté Lorne à aller transporter ses Vietnamiens à bord de véhicules. Donc, il ne travaillait pas dans la commune, il travaillait au bureau de district. Oui, d'accord, j'ai bien compris, mais est-ce qu'il est allé chercher des Vietnamiens dans la commune de Cheng Thong? Ou bien cette commune bénéficiait de l'autonomie de pouvoir arrêter et exécuter les Vietnamiens elle-même? Was that commune invested with authority to arrest and execute the Vietnamese itself? Je n'en avais pas connaissance. Je savais tout simplement que Tachai a demandé à Lorne de transporter ses Vietnamiens à bord de véhicules et Lorne a bien mis à disposition des camions de vie roue pour transporter ses Vietnamiens. Merci. J'en ai presque terminé. Je voudrais simplement que maintenant vous puissiez consulter trois listes qui doivent être à votre disposition là-bas à Battambang. Ce sont les listes suivantes. E3-4083. Je répète, E3-4083. Et avant de citer les IRN, je vais continuer avec l'énumération des autres référence. Le deuxième document est E3-2615. Et le troisième, E3-2281. Alors, je vais vous laisser le temps de... Ou plutôt
le temps à la personne qui vous aide de Wissou de retrouver ces documents. Et en attendant, je vais vous dire que ce sont des listes qui ont été établies par des communes du district de Tramkak, identifiant des familles Khmer Krom dans ces communes et précisant chaque fois le grade de militaire que les membres de ces familles avaient dans le régime de l'ONNOL. Ces trois listes datent de la même période. Alors, on va commencer par la première. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. C'est E3/4083. Et les pages en Khmer qu'il faut regarder sont les pages 000-68-033. Et ensuite, il faut passer une page et c'est la page 000-68-035. En anglais, 00-32-39-66-68 et puis 00-32-39-70-72. Et enfin en français, 00-77-88-70-71 et puis 00-77-88-73-74. Est-ce que vous avez cette liste sous les yeux, monsieur le témoin? The list before you, witness. Monsieur le Président, en attendant, est-ce que j'ai l'autorisation de projeter les pages pertinentes de ce document à l'écran? Le Président, allez-y. President, please proceed. Monsieur le témoin, je vais vous décrire ce que c'est. On va voir après si vous l'avez ou pas sous les yeux. En tout cas, cela va apparaître à l'écran. C'est une liste de la commune de Sri Ronong qui est datée du 27 avril 1977 et qui identifie 37 familles qui étaient des Khmer Krom ou d'anciens militaires ou officiels de l'ONNOL. Cette liste mentionne les grades militaires de ces personnes. Si vous ne l'avez pas devant vous, est-ce que vous voyez cela à l'écran? C'est difficile à lire, je comprends. If you don't have it before you, I know it's difficult to read it on the screen. I do understand that. Réponse, non, je n'ai jamais eu ce genre de document. Non, en fait, je n'ai jamais de liste en mes mains. Je ne suis pas au courant de ce genre de liste. D'accord, juste pour être complet, les deux autres documents sont des listes similaires établies par les communes de Cour. Le 29 avril 1977, ça c'est le document E3/2615, et le dernier, E3/2281, une liste établie par la commune de Trapping Tom Chung, qui répertorie 73 familles Khmer Krom de la commune le 4 mai 1977. Donc vous dites que vous n'avez jamais vu ce genre de liste. Vous nous avez dit également qu'il n'y avait pas de Khmer Krom dans le district de Tramkak, mais ici on voit que les communes établissaient des listes de Khmer Krom. Alors, est-ce que vous voulez
corriger ce que vous avez dit tout à l'heure ou bien vous persister en disant qu'il n'y avait pas de Khmer Krom à votre connaissance dans le district de Tramkok district, to your knowledge? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Answer. I do not recall that. Je ne sais pas quand j'ai dit cela. I do not know when I said that. Parce que j'étais grièvement malade. Because I was à un moment donné. Seriously ill. Donc, at a certain j'ai tout oublié. Point. And I forgot. Je ne dis pas que vous l'aviez dit. Je dis simplement que question. Il y a des documents au dossier qui montrent que les communes établissaient des listes de Khmer Krom. Donc, est-ce que vous confirmez que vous n'avez jamais vu ce genre de liste et que vous n'avez pas non plus vu de Khmer Krom dans le district de Tramkak à l'époque? Réponse. Answer. Je n'en avais pas connaissance. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Was not aware of that. Je n'ai jamais I never vu heard anyone des gens talk établir about ces I listes. Never saw people drawing up lists. En tant qu'habitant, on ne pouvait pas être informé de ce As genre an inhabitant, de choses. A mere inhabitant, I could not have been informed. Très bien, monsieur le témoin. Je vais respecter ma parole et céder la parole aux parties civiles et je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez pris pour répondre à mes questions. Merci, Monsieur le Président. Le Président, la Chambre à présent donner la parole aux avocats des parties civiles. Avocat principal, Monsieur le Président, j'aimerais vous demander d'autoriser à Maître Tisleina d'interroger le témoin. Le Président, allez-y. Lawyer Srina to start. Maître Tisleina. Bonjour, Monsieur le Président. Counsel Tisleina. Et Monsieur le juge. Good afternoon. Bonjour, Monsieur le témoin. Good afternoon, witness. Je suis Tisreina, avocate Tisreina. Pour les parties civiles. J'ai un certain nombre de questions à vous poser. I have a number of questions to put to you. Bonjour, Monsieur Olhoun. Vous m'entendez? Good afternoon, Mr. Olhoun. Can you hear me? Bonjour, Monsieur Olhoun. Good afternoon, Mr. Olhoun. Réponse, oui. Answer, yes. Avant de vous poser des questions, j'aimerais demander une certaine clarification en répondant à des questions au procureur adjoint. Vous avez dit a question put to you by the deputy co-prosecutor. You stated les Phnom Penhois ont été évacués à la pagode de Champa-le, were evacuated to Champa où les chefs de village ou de commune avaient the été affectés à la préparation de l'accueil de ces évacués. Donc j'aimerais vous demander qui a affecté ces chefs de village ou My de commune. Who assigned the chiefs of villages and communes to do so? Vous souvenez-vous des personnes qui ont affecté ces chefs de village ou de communes? The names of the persons who assigned réponse, the chiefs of villages and communes to do that? Answer. Monsieur Olhoun, comprenez-vous ma question? Sinon, je peux la reposer. Do you understand my réponse. Question? If you don't, I can oui, j'ai bien compris votre question, mais answer, chaque fois que je voulais vous répondre, vous continuez your question, but à parler. Each time I wanted to answer it, you kept talking.
Donc les instructions provenaient de district, district en joignant les chefs de village ou de commune d'établir des listes et ensuite que les ces chefs de commune préparent des sacs de riz pour recevoir ces évacués. Chiefs of communes and districts et quand were also asked les chefs to de commune avaient leur liste, bags of rice for purposes of receiving those people. Le district leur demandait de recevoir, d'accueillir ces évacués venant de Phnom Penh. Were asked to receive the evacuees. Et le chef du bureau de district s'occupait de l'organisation de ces évacués. Of organizing the reception of donc those c'est evacuees. Nyam Sim qui so en it was était Nyam Sim chargé. Who was in charge of question. Doing that question. En dehors de l'organisation des, de ces évacués ou de la réception as de ces habitants, from the reception of, those evacuees a-t-on demandé aux chefs de communes ou de villages de involved. Faire autre chose? Réponse, and oui, to do on leur a demandé things. De construire answer, des yes, maisons, des logements pour eux et de leur distribuer des vivres and to et de, d'organiser des groupes, des villages. So donc en fait, tout avait organized. Été prévu. So all of that was provided for. Maître Tisraina, question. Vous avez dit que des cabanes ou des maisons avaient été mises à disposition de ces habitants. J'aimerais que vous décriviez ces logements. Can you describe est-ce que those il s'agissait des maisons houses, habitables ou c'était tout simplement des cabanes were they simply huts en chaume or houses or thatched est-ce houses? Que les communes ou les villages avaient à disposition did the communes and ces the villages logements have aux at évacués their disposal ou quand tout cela a été fait par eux-mêmes après leur arrivée réponse shelters? Before they arrived, or they built all that after they arrived. Dans la zone libérée. Answer. Les, en fait, les habitants de la zone libérée avaient été affectés à travailler loin, donc ils restaient leur maison. Et donc. Beaucoup their de maisons n'étaient pas available. Occupées, donc so ces évacués allaient so habiter dans ces maisons non occupées. S'il s'agissait d'une grande homes. Maison, elles pouvaient recevoir deux if familles, house, sinon une famille. Voilà, c'est parce que les habitants de la zone libérée avaient été affectés à travailler loin. Maître Tisraina, qu'en est-il des rations alimentaires? Réponse, je vous ai question, dit how about food rations? Déjà answer, que Chen, la Chine avait donné du riz had donated rice pour les habitants qui ont été évacués des villes. The inhabitants who had been moi, evacuated. Je devais décharger ces camions chargés de riz. Those, et voilà, on a distribué ce riz aux rice, habitants qui venaient d'arriver, mais comme il y avait beaucoup de, d'habitants rice, de base aussi, donc il n'y en avait well, pas assez. There wasn't et comme il n'y avait pas assez de manger, donc les excréments eat, des hommes ressemblaient à des excréments des chiens. Donc, les chiens ne mangeaient pas ces excréments de chiens. So the dogs didn't eat. Maître Tisraina, the dogs veuillez, soyez bref parce que le temps qui m'est imparti est très bref. Please be brief because the bref. Time allotted to me is very short.
dans la coopérative, les coopératives, j'aimerais savoir si Tell la me. Chine a donné du riz au Cambodge tout le long du régime ou c'était juste après Cambodia la libération régime, réponse de 75 à 76 seulement, mi-76. Donc en fait, l'aide a duré pendant un an et demi. So they donated food cette aide qui était adressée au peuple nouveau et au This peuple ancien. Et moi-même, j'ai été chargé de porter old people and the new people. Le riz donné par la Chine. Of transporting the rice question, donated merci. By China. Question. Thank you. Vous avez parlé de la roue de l'histoire qui you écrasait, qui broyait. History, which crushed people. J'aimerais vous demander, en demander la signification. Qu'est-ce que vous What entendez do par you là mean by that? Réponse. Answer. Le secrétaire du district, Ye Krom, à chaque meeting, à chaque réunion, elle disait les féodaux, les capitalistes, les révisionnistes devaient être écrasés par la roue de l'histoire. Et la roue de l'histoire écrasait également leur and régime. Et à l'époque, je pensais que ce slogan faisait référence aux anciens fonctionnaires du régime de Sihanouk. Question. Of the Sihanouk regime. J'aimerais vous je vous demandais tout simplement si Ye Krom avait inventé ce slogan lui-même ou ce slogan, était émané de d'ailleurs, réponse non, elsewhere. Mais je sais tout Answer, simplement no. qu'à chaque All réunion, elle sortait ce slogan. Question. Vous avez parlé de Tamok. Vous Question, avez dit que Tamok était venu pour faire trois réunions où il a parlé du creusement de de canaux. He talked about Donc, j'aimerais vous demander si à ces réunions, on so, a demandé aux habitants de creuser des canaux. He asked inhabitants of that district to dig canals. Vous avez fini votre question? Si vous l'avez fini, je vais vous have répondre. You completed your question? Mathis If Reina, you have, oui, I will j'ai answer fini, it. Veuillez répondre. Réponse. Yes, I'm done. You les can habitants de Tramcock se mettaient au travail pour creuser les canaux, ériger des got digues. Down to work, digging canals, and et on organisait des, dikes, des fêtes en plantant des poteaux pour hisser des drapeaux en disant qu'au front, plant poles and c'était des offensives dans le travail de construction des digues, de canaux, donc jour et nuit. On mangeait seulement vers 9 heures du soir. And et après le repas, il fallait reprendre le travail jusqu'à 10 heures. Le jour, vers 10 heures et demie, il fallait prendre le petit déjeuner. Parfois, on ne pouvait pas manger à l'heure prévue. Il fallait manger. Il est arrivé qu'on mangeait à 1h30 et personne n'osait rien dire parce qu'on avait peur. Il fallait remplir sa tâche. Le président, veuillez allumer le micro. Please turn on the microphone. Question. Question. On demandait seulement au peuple nouveau de creuser les canaux ou il y avait d'autres conditions. Réponse, on ne faisait pas de distinction. Les peuples nouveaux, le peuple ancien, les Chinois, les Vietnamiens, les Cambodgiens, tout le monde devait creuser des canaux. On ne distinguait pas des ethnies, donc tout le monde devait travailler pour creuser le barrage de construire le barrage de Krop Trabek. Question. D'après vos observations, according to what you were able to observe, en cas de surmenage, when people est-ce were overworked, que les intéressés ont été punis ou torturés?
people punished, parce qu'ils ne pouvaient plus remplir leurs tâches. They could no longer carry out their work. Answer. À l'époque, il n'y avait pas encore de maltraitement. People were not yet on ne maltraitait pas les habitants. The people were not being maltreated. Les gens, les travailleurs étaient malades. Parfois, ils avaient workers des problèmes de hémorroïdes et ils travaillaient et il y a du sang qui coulait et parfois ils mouraient sur le chantier de travail même. Mais il n'y avait pas de sanctions à l'encontre de ces gens-là. Question. At the time. Question. Vous avez dit que le peuple nouveau, le peuple ancien avait les mêmes droits et qu'ils devaient se respecter. Enjoy the same rights and had to respect mais one another. Mais vous avez dit également but que beaucoup les gens surveillaient many people tout le monde. Donc j'aimerais vous demander everyone. Si les surveillants faisaient ce travail de surveillance tous les jours, réponse. Others kept watch je vous donne un exemple. Des membres du peuple nouveau habitaient chez moi. The new people le soir, lived in my home des and guetteurs, in the evening, des les gens passaient people sous la maison pour les écouter. By the house et s'ils si, disaient des choses qui dérangeaient le régime, ils étaient arrêtés. Et au bout de trois fois, ils étaient arrêtés et emmenés à jamais. And they were taken away, never seen again. Question, j'aimerais question. Savoir d'où ces enquêteurs ou ces surveillants étaient envoyés. Réponse. From where were those, honnêtement, guards c'était des gens sent. Du district. Hein, donc answer, toutes les nuits, ils district. Passaient sous les maisons so night, pour écouter des habitants. Houses, et to people, une fois obtenu des informations, ils faisaient rapport au district aux fins de décision, de prise de décision. Question. Merci, j'ai passé decisions. À un autre sujet relatif au CIA ou KGB. Regarding the CIA dans le district and the KGB. De Tramcock, ceux qui faisaient partie des réseaux de la CIA ou du KGB étaient arrêtés. Donc j'aimerais que vous donniez un nombre exact à la Chambre. Those people were arrested. Can you give us the exact réponse, number of people who were arrested? KGB comprenait des exceptions russes ou vietnamiens, CIA, donc américains. Une fois qu'ils ont été identifiés, ils étaient envoyés arrested, sans concertation, sans décision. And, le président, veuillez marquer une pause entre les questions et réponses, sinon les interprètes ne peuvent pas vous suivre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais savoir si I would like to les know agents de la CIA ou de KGB CIA étaient KGB arrêtés ouvertement. Réponse openly. Non, ce n'était pas no. De manière ouverte parce qu'ils les arrêtaient le soir, donc la nuit, mais le matin, on se rendait compte qu'ils n'étaient and plus là. Morning, question, est-ce que there. Tout le monde savait qu'ils faisaient l'objet d'arrestations ou bien seulement certains ou seules certaines personnes étaient au courant et only d'autres some non. People were aware that they had been arrested. Answer. Dans notre un exemple dans well, si dans notre groupe you an example. If quelqu'un in our group, a disparu somebody on disappeared, sait que la we personne knew that that person a été arrêté had been arrested. Donc, et donc on ne pouvait que chuchoter entre nous de manière secrète. On ne secretly, pouvait pas parler de tout cela we speak de about manière all of that ouverte. Openly, of course. Question. Question. Merci. Thank you. Est-ce que la disparition
Est-ce que les disparitions étaient une source de peur pour l'ensemble des habitants de Tramcock? Réponse pour tout le monde, yes, les chefs de district, chefs de commune, chefs de village, the village chiefs, même eux, ils avaient even peur. They were afraid. Tout le monde avait des frissons parce que Shivered, because il y avait autant d'arrestations. There were so many arrests. Question, merci. Question, thank you. J'aimerais now, passer maintenant I would like aux purges to speak about the purges à l'intérieur du rang. Within the ranks. Y avait-il des arrestations à l'intérieur des rangs, within the ranks, des arrestations des agents outside de la CIA, of the CIA KGB, or KGB réponse, oui. Agents? Yes, mais answer. Cela se fait secrètement. That was done secretly. Faisait croire qu'il fallait we were aller told, recevoir une instruction ou une éducation quelque part. That they were going to be educated voilà, somewhere. On a appris tout cela learned, de cette façon-là. That's how we learned about all of this. J'aimerais vous demander now, I would like si to ask you dans le district de Tramcock, in Tramcock district, il y a eu des mariages. There were marriages. Yes, there were marriages and the couple did not...